En plus, on a cherché sens adoration. Il y a des gens qui disent adorer, c'est chanter. Il y a des gens qui pas vraiment connaît qui sens mot adoration avec l'orange qui gagne. Donc, si vous avez connaît vrai sens mot adoration avec l'orange, on a invité à regarder cette vidéo ça et rester abonné, connecté avec Chanel ça. Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est adorateur Bertin d'Orville-Mort. Donc nous sentons vraiment contents, vraiment réjouis jeudi pour nous capables ensemble avec vous pour nous partager cette vidéo ça. Donc nous profiter remercier et féliciter tout le monde qui abonné déjà avec Chanel là. Donc n'a dit que vous faites un très bon choix sur Chanel ça nous là pour nous parler de adoration avec louange. Je dis à nous voulons aborder ça qui concernait définition adoration avec louange. Donc c'est un sujet que me parlais sous les très souvent, mais moi estimer que répétition yo vraiment d'une importance capitale. Ça fait je dis à encore nous voulons commencer avec une série de vidéos sur Chanel là côté que n'a continué à parler de adoration avec louange, n'a continué par définir qui ça yo yé exactement. Donc nous habitués faire ça, considérer des mots originaux pour permettre que nous capables vraiment saisir le sens de l'adoration et de la louange. Donc tout ça nous gain pour nous partager sous Chanel là, si nous pas vraiment comprendre sens adoration avec louange, donc nous pas vraiment capable saisir le maximum de vidéos que n'a capable partager avec vous sous Chanel là. C'est ça qui fait pour nous capable sûr que ou bien comprendre sens adoration avec louange, nous décider reprendre série de vidéos ça encore pour nous continuer à expliquer le sens de l'adoration et de la louange. Nous voulons commencer avec des mots hébreux. Et nous avons trois mots hébreux que nous voulons voir aujourd'hui pour aider à comprendre le sens de l'adoration et de la louange. Donc le premier mot hébreu que nous voulons considérer pour aujourd'hui, c'est « segad ». Segad, ce mot veut dire « se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect ». Se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect, c'est le mot segad. Donc c'est un mot hébreu que ont utilisé pour exprimer, pour faire comprendre le sens de l'adoration. Donc d'après ce mot hébreu qui c'est segad, donc mot hébreu ça, lui fait penser avec crainte, avec respect que vous gagnez pour bon Dieu. Donc ici, ce n'est pas une question de chant, mais c'est une question de crainte, c'est une question de respect que vous gagnez pour bon Dieu. C'est ça qui exprimait adoration, c'est ça qui exprimait la louange. Donc nous, pas abonder pour nous expliquer se courber, parce que nous avons gagné pour nous faire des vidéos sur Chanel là, qu'à parler des expressions dans l'adoration et la louange. Donc à ce moment, nous allons parler de se courber, se prosterner, s'agenouiller, etc. Et toute notre expression qui a un rapport avec adoration et avec louange. Donc, ma propre mot, premier mot hébreu, c'est segad, il veut dire se courber en manifestant une grande crainte et un grand respect. Donc, qui dit adoration, dit crainte, dit respect. D'accord? Qui dit adoration, dit crainte, dit respect. Le deuxième mot, c'est abad. Abad, il veut dire travailler, œuvrer ou servir Dieu. C'est le deuxième mot hébreu pour l'adoration. Abad, il veut dire travailler, œuvrer ou servir Dieu. Donc, tout ça que m'a fait pour bon Dieu, je m'habitue à dire déjà, dans quatre vidéos, nous, tout ça qu'on a fait pour bon Dieu, le fait qu'on appartenir à Dieu, lui, c'est un acte d'adoration. Et mot hébreu qui définit ça, c'est abad. D'accord? Donc, c'est le deuxième mot hébreu pour l'adoration. Donc, le travail que m'a fait pour Dieu, parce que moi appartenir à Dieu, donc ça, c'est un acte d'adoration que lui. Et le
troisième et dernier mot que nous voulons voir dans quatre vidéos ça en ce qui concerne adoration, d'accord? Dans ce qui concerne adoration, troisième mot hébreu c'est shaka. Shaka, il veut dire se courber, se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. Se courber, se prosterner soi-même pour rendre hommage et honneur. D'accord? C'est une question d'hommage, c'est une question d'honneur à l'Éternel. Donc c'est ça vraiment le sens de l'adoration. Le sens de l'adoration, c'est rendre hommage, rendre honneur à Dieu. C'est ça le sens de l'adoration. L'adoration n'est pas une question de chant, d'accord? Nous avons parlé du chant en tant qu'une expression très, très utilisée pour exprimer l'adoration. Mais qui dit chant ne dit pas forcément adoration. Donc, c'est ça que nous voulons que nous saisissions dans quatre vidéos. Même si vous ne pouvez pas saisir tout ça, moi, dit, même si vous voulez que vous retenir ça. Donc, qui dit adoration ne dit pas forcément chanter. Donc, moi, je crois que c'est une conception que nous supposons commencer par désattacher de lui. Parce que, en pile fois, dans le milieu évangélique, dès que on dit adoration, tout le monde est avec chanter. Dès que on dit adoration, tout le monde est que on râle chant d'espérance ou bien on râle musique, donc on va chanter. Donc, ce n'est pas ça qui est adoration. Mais c'est le respect que j'ai pour Dieu là, au fond de mon cœur. Okay? C'est la crainte que j'ai pour Dieu. Okay? Partout côté que je me passe, je manifeste ce respect-là, je manifeste cette crainte pour Dieu. C'est ça vraiment le sens ultime de l'adoration. Donc, le chant n'est qu'une expression. J'aimerais dire que nous avons ça très bientôt dans quatre vidéos. Mais chant lui-même, c'est juste une façon pour m'exprimer ça qui déjà a passé à l'intérieur de moi-même. D'accord? Chant, c'est juste un débordement. Chant a supposé juste un débordement de ça que moi senti à l'intérieur de moi-même pour Dieu et pour me dédouaner. Voilà. Pour me dédouaner, pour m'extérioriser, pour m'exprimer ça qui a passé à l'intérieur de moi-même, moi chanté. Mais le chant, en réalité, en lui-même, ce n'est pas lui-même qui adoration. Donc, nous avons trois mots hébreux aujourd'hui. Segad, Abad, Shaka. D'accord? Segad, Abad, Shaka. C'est trois mots hébreux que nous avons. Nous espérons que trois mots hébreux ont aidé à commencer à saisir réellement le sens de l'adoration. Très bientôt, nous avons pour nous des mots grecs pour l'adoration. Et d'après des mots grecs et hébreux aussi pour la louange. Donc, j'aimerais te dire, c'est une sorte de répétition, c'est une sorte de révision que nous avons fait, parce que nous faisons ça déjà dans plusieurs vidéos que nous partageons. Mais moi, j'estime que c'est très important pour nous faire une série de répétitions pour permettre que ce message-là, non seulement joigne plus de monde, mais chaque monde qui tendait pour être capable de comprendre en profondeur et partager avec l'autre monde pour plus de monde capable de comprendre la réalité, comprendre et découvrir la vérité. Donc, moi, c'est adorateur Bertin Dorville-Mort. Avant que nous finissions cette vidéo, on va dire si vous pouvez vous abonner avec Chanel là, nous inviter à faire ça parce que nous là, sur Chanel là, pour nous parler de l'adoration et de la louange. Donc, si vous pouvez faire, cliquez sur ce bouton en rouge là qui marque s'abonner et on sera prêt à connecté avec nous et on sera capable toujours au courant de toute dernière vidéo que nous partageons. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!